Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien mes cafardinos, parce que cette vidéo va vous rendre un peu triste, je pense. C'est une vidéo très importante sur l'article 13 qui vient de passer au Parlement européen. C'est tout simplement une loi qui réglemente les droits d'auteur sur tout le contenu digital, numérique, sur toutes les plateformes sur Internet. Ça concerne YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Spotify, Deezer, toutes les plateformes aussi de musique, etc. Voilà, la loi vient de passer ce matin. YouTube sera dans l'obligation de bloquer les vidéos, Twitch également, enfin en gros, tous les boss des plateformes, les plateformes vont devoir bloquer les contenus des utilisateurs si il y a des marques, si il y a des musiques, si il y a des logos, des couleurs, des slogans utilisés, même à l'oral, on va même plus pouvoir dire ce qu'on veut. Là, l'utilisation du casque, je peux pas porter mon t-shirt, je peux pas être derrière dans ma chambre. Si, par exemple, on le sait, enfin, si je mets des étagères avec des figurines, des logos, de Naruto, de machin, de ceci, de cela, c'est interdit. Et il va falloir les droits, il va falloir des droits justement, des autorisations d'utilisation des musiques, des visuels et tout. Ça concerne pas que le contenu vidéo. Pour le contenu vidéo du gaming, il va falloir demander des autorisations à l'éditeur du jeu. De pouvoir streamer et de pouvoir faire des vidéos sur le jeu. Donc un mec qui est dans sa chambre tout seul en train de jouer à Counter-Strike, il va falloir qu'il demande l'autorisation à Valve. Pareil pour Fortnite avec Epic Games, ce genre de choses, ou à EA pour FIFA. Donc tous ces contenus-là au niveau du gaming, voilà, c'est quasiment fini. Les pays ont 2 ans maintenant pour exécuter cet article, et YouTube sera dans l'obligation, une fois que le pays mettra en vigueur la loi, etc., la plateforme prendra les mesures nécessaires. Donc ça concerne les nouvelles vidéos qui vont sortir, mais ou le nouveau contenu en tout cas qui va sortir, et les anciennes. Toutes les anciennes vidéos vont quasiment toutes être supprimées des plateformes de manière publique, hein, seront peut-être toujours dans leurs archives ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est dramatique. Je fais cette vidéo avec une tristesse absolue pour l'avenir de plein de personnes et tout. Moi, je vis un peu de ça aussi. Je suis pas un énorme youtubeur, un énorme streamer, mais j'en vis un petit peu grâce au soutien des gens qui a sur mon stream, qui s'abonnent, qui font des donations. Voilà, des gens qui mettent peut-être mon code créateur Malek CSGO, ce genre de trucs. Et enfin voilà, je suis un peu désemparé aujourd'hui de faire cette vidéo. J'essaie un peu d'être sérieux, j'essaie de chercher un peu les éléments que j'avais à m'apporter pour essayer de vous les expliquer de la manière la plus simple possible, pour vulgariser le truc, comme ça vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer. Et voilà, on n'a pas les moyens de faire changer quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a des millions de gens qui ont signé des pétitions, moi le premier, j'ai même retweeté plusieurs fois, diffuser des informations avant que justement l'article 13 passe. Vous avez certainement dû le voir partout sur YouTube à des périodes, c'était il y a plusieurs mois. Et voilà, même des millions de pétitions signées n'ont pas permis, on va dire, le changement de certains articles qui pourraient permettre de la liberté à des plateformes pour des contenus amateurs, semi-professionnels ou même professionnels, quoi, parce qu'il y a du très bon contenu. On va être comme à la télé, comme à la radio, désormais sur des plateformes digitales, et vraiment c'est très triste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rend pas trop triste. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui veulent me suivre pour du contenu CSGO. Je pense que cette vidéo va pas toucher que ma communauté, mais d'autres aussi. Et voilà, bah je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Ciao les potes!